Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, Apps and Games. Et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo avec l'application donc de Lego Scooby-Doo Escape from Haunted Isle. Donc c'est un peu un jeu terrifiant, donc on va être confronté à différents monstres comme des squelettes, des pharaons momies, enfin des momies plutôt, enfin avec... Des momies de pharaons. Voilà, plein de différents monstres. Donc là, c'est une troisième partie. Donc si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à commencer par la première partie. Ou si vous voulez la prendre en cours de route, c'est comme vous voulez. Donc on va prendre Daphné cette fois-ci. Et Scooby-Doo. Voilà, donc c'est un jeu un petit peu terrifiant parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments horribles et un peu, voilà, extraordinaires. Donc là, oui, donc on a des squelettes. Ok, donc on a une carte ici. Donc on a voilà une citrouille. Ok. Bon. Elle lance des brosses pour se défendre. Oh, un fantôme, attention. On peut toujours l'attaquer avec la brosse. Ok. Parfait. Donc maintenant, on essaie de monter. Bon, il n'y avait rien. Encore un fantôme. On continue d'avancer, on continue et on évite donc de se faire attaquer par les différents monstres. Oh, encore un fantôme. Donc on va de nouveau sur la droite. Oh. Donc on a un ascenseur, on peut continuer notre chemin. Après il faut attraper donc tous les Scooby-Scuits. Ouh. Oh. Donc là on a un squelette. Donc bah là c'est bon. Son sort. On les a détruits, les deux. Parfait. Mmh.
Bon, mais où est-ce qu'on va maintenant? Donc là, on peut pas aller en dessous. Il y avait un passage secret, un passage caché. C'est pour ça, je me croyais qu'on était bloqué. Par contre, là, on est bloqué. Peut pas aller plus loin. Où est-ce qu'on peut aller? Il y a peut-être d'autres, en fait, passages cachés. C'est peut-être pour ça que l'on est... on va regarder sur la carte. On doit vraiment aller en bas. Mais je ne vois rien. Donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut débloquer quelque part pour que ça s'ouvre et que le passage s'ouvre. Peut-être que c'est ça. On va continuer à explorer un peu partout, puis on va voir ce qu'on peut faire pour débloquer le passage. Là, on est là, donc il faut vraiment aller, faut descendre. Ok, donc là on a déjà un petit squelette. Ouh! Ok, donc faut l'attaquer. Ça c'est réglé. Hop, on passe là-dessus. Hop. Oh là. Oh là 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 là. Non! Bon, on recommence. C'est vraiment de plus en plus compliqué, hein. Donc là, on va construire également encore. Donc on construit l'ascenseur. Oh, ça c'est bon, on a une partie de notre clé. Parfait. Ok, donc on continue. Donc c'est, je trouve que c'est vraiment pas facile, ou sinon c'est moi qui suis vraiment pas douée.
ce qui est possible aussi. Hop. Ah! On est complètement perdu, c'est comme un labyrinthe. Oh, il y a un cheval. Oh! Oula! Donc une citrouille à cheval. Alors comment je vais l'attaquer? Ah, en plus il lance... Oh! Là, j'ai l'impression que notre citrouille... est vraiment très puissante, donc je pense que ça va être difficile de la combattre, de gagner. Donc on va essayer de la vaincre. Bon, alors là, le fait qu'il lance des objets en hauteur, etc., donc je sais pas comment... On va essayer de... Ah! Ah, mais il peut nous avoir dans... Ouais. Ouais, bon, c'est parti, on a encore perdu. Bon, il doit y avoir une technique, hein, on va y avoir quelque chose. Donc, à voir. Donc, on a toujours Scooby-Doo qui part en courant, donc on est toujours seul. Non! Mais comment on peut l'attaquer? Parce qu'il est vraiment, en plus, il est rapide. Puisqu'il a un cheval. Je ne sais pas du tout comment on va pouvoir gérer la situation. Oh là là, donc ça c'est vraiment un ennemi difficile à combattre. Thank you.
parce que là, c'est il est... quand on lui saute dessus. C'est nous qui sommes blessés. Et voilà, donc c'est bon, c'est déjà fini. Alors là, bon, très grosse difficulté. On est complètement bloqué. Ah, c'est vraiment un ennemi puissant là. On va aller en haut. Je ne sais pas du tout comment on va pouvoir gérer la situation. Bon, encore perdu. Peut-être qu'on va trouver une stratégie ou quelque chose, mais... On va peut-être y arriver. Je suis vraiment très 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 lente comparée à lui. Donc c'est pas évident. Donc on peut profiter des petits moments de faiblesse pour l'attaquer. Ah non, 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 non. Il faut monter.
Là, c'est cool parce que quand on reste en haut comme ça, on obtient, on peut gagner un peu d'énergie en jouant avec les portes. Donc c'est plutôt cool. Ah là là, mais il en voit vraiment partout là. Bon, en tout cas, bon, c'est vraiment galère là. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour ceux qui ont l'application et qui ont réussi à vaincre ce monstre. Parce que c'est vraiment, c'est affreux. C'est quasiment, je trouve que c'est quasiment impossible. Alors je sais pas si c'est moi ou c'est vraiment difficile, mais alors là, c'est vraiment blocage complet. Donc on va peut-être essayer une prochaine fois. En tout cas, bon, bah, désolé pour le temps, c'était un petit peu, peut-être un petit peu long, mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions, des astuces, hein, peut-être pour réussir cette mission. Abonnez-vous à la chaîne et on se dit à une prochaine. Salut!